Je m'appelle Habib Belbé, j'ai 29 ans, je suis mécanicien dans les engins de travaux publics depuis plus de 10 ans. Mon métier de mécanicien consiste à réparer les engins de travaux publics. Les camions, des pelleteuses, des chargeurs, des niveleuses. On ne répare pas les engins externes à la société, on répare que les camions et les engins de la société. Le mécanicien, quand il a une panne sur un engin, il commence déjà par faire un diagnostic. Il recherche la panne, il passe commande pour les pièces s'il y a besoin de pièces, et puis après il fait les réparations. Là on arrive au parc des expositions du Bourget. On a un chantier là à l'extérieur et on a une pelle qui est crevée là. J'interviens sur le chantier pour essayer de dépanner assez rapidement à la demande du chef de chantier. On ne peut pas bloquer un chantier à la journée pour une crevaison ou pour une panne quelconque. Donc on est amené à dépanner très rapidement. Pour faire un bon mécano, il faut être à l'écoute des autres, il faut être très attentif. Hein. Et quand on est mécanicien en général, il faut être très très patient. Quand on est mécanicien TP, on appelle mécanicien engin de travaux publics, on est obligé de toute façon de toucher à tout. Il faut un minimum de base, hein, que ce soit en hydraulique, en électricité, en mécanique, pour être un bon mécanicien. Moi, je suis arrivé dans les TP un peu par hasard, mais aujourd'hui, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Et c'est un métier varié, qui n'est pas routinier, parce qu'on travaille sur des engins vraiment différents.